Bonjour, je m'appelle Merve. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les différences et les points communs entre le turc et le français. En turc, comme en français, on appelle préposition les mots qui n'ont pas de signification propre lorsqu'ils sont utilisés seuls, mais qui, en formant des groupes avec d'autres mots, créent de nouveaux sens et apportent des nuances de sens aux mots avec lesquels ils sont utilisés dans la phrase. Le turc possède également un grand nombre de prépositions. Tout d'abord, les prépositions peuvent être formées en plaçant en tant qu'un mot à la phrase, tout comme le cas en français. Si je donne un exemple, prenons la phrase suivante. Je vais écrire un article sur les nouvelles technologies. En turc, nous dirions yeni teknolojiler hakkında bir makale yazacağım. Si on décompose les phrases en leur élément, yeni teknolojiler hakkında signifie sur les nouvelles technologies. Donc, hakkında signifie sur, qui est notre proposition. Bir makale signifie un article. Et yazacağım signifie je vais écrire. Autre exemple, je vais à la bibliothèque pour étudier. Nous traduisons cette phrase en turc comme suit. Ders çalışmak için kütüphaneye gideceğim. Ici, le mot için est équivalent de mot pour. Mais certaines prépositions sont utilisées avec un affixe. Par exemple, yıllardan beri bu evde yaşamaktalar. Ils vivent dans cette maison depuis de nombreuses années. Si l'on divise les phrases en leur partie, yıllardan beri, depuis les années, bu evde, dans cette maison, ne yaşamaktalar, ils vivent. Ici, den beri est une proposition. Et nous avons ajouté le suffixe den à la fin du mot yıllar, c'est-à-dire année, et le mot beri représentant depuis. Donc, depuis de, den beri est notre proposition. Je donne cet exemple pour montrer qu'il existe des prépositions utilisées avec un suffixe.